Salut à tous amis, c'est Goz. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Joyride Turbo pour l'épisode 2 qu'on avait commencé. Pour l'épisode 2 de notre série de Let's Play qu'on avait commencé. Toujours en sans CV, on avait fait la dernière fois le terrain d'entraînement et la cour des grands. Et cette fois-ci, on se lance tout de suite dans le tuning à gogo. Donc j'ai toujours pas débloqué de voiture parce qu'en fait j'y ai pas joué depuis la dernière fois. Je vous ai attendu bien sûr, donc j'espère que vous êtes chaud là pour de nouvelles courses. Donc moi, je suis tout à fait prêt. Je suis tout à fait prêt pour commencer. Allez, tout de suite croiser des canons. On va aller en mettre une de ces tollées là, ça va être bon ça. Allez. Donc toujours le même principe que la dernière fois, découvrir ensemble les courses du jeu. Et pas essayer d'être bon, mais essayer de finir premier quand même. Mon objectif, c'est de finir premier, même si ça peut être difficile à certains moments, parce que je ne suis pas toujours très très bon, on va dire ça comme ça. Et ouais, finir premier, et voilà quoi. S'amuser ensemble sur Joyride Turbo. Donc, on est sixième en ce début de course, en ce tour 1. Et voilà, je me fais avoir à chaque fois ici. Ça m'énerve un petit peu. Et oui, ça fait une semaine que j'ai pas joué à Joyride, il faut que je reprenne un petit peu la main. Mais bon, ça va bien se passer. Vous le savez bien, au début, c'est toujours pas très bon. Et après, c'est un petit peu mieux. Cinquième, vous voyez, ça commence à s'améliorer là. On essaye. Et deuxième, on est deuxième. Ah, c'est qu'on commence à comprendre là. On commence à être bon, on commence à être chaud et tout. Salto, risalto, double salto, triple. Bon Dieu, ce passage m'énerve toujours autant. Il faudrait que soit que je prenne moins vite, mais beaucoup moins vite. Mais troisième, ça me conviendrait pas mal. Il reste un tour là. J'ai grugé toi. Ah, et je l'ai grugé aussi lui. Ah, deuxième. Allez, on va essayer de se rapporter du boost en faisant des petits selfies et tout. Et hop, tu dégages toi. Laisse la place au pro. Ah mince. Bon, c'est pas grave, on est toujours premier. Espérons qu'on le reste jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça c'est une autre affaire, mais bon, je pense que... Oui. Et oui, première place. Pour cette première course de je sais même plus comment il s'appelle ce championnat, en sans CV toujours. Ça commence plutôt pas mal. Donc, course suivante. Musique là, bien chiante et bien agaçante à force. Donc la course suivante, la route de l'or. La route de l'or. Tuning à gogo, il s'appelle le championnat. Pour ceux qui s'en rappellent plus, comme moi. Allez, on commence premier là déjà. Allez, go! J'ai commencé au bon moment. Vous avez pris la tête, ouais, c'est gentil de me le rappeler, mais j'avais compris ça. Ah, le papy là, tu vas pas me doubler longtemps, toi. Allez, tu t'es mangé les rochers. Ah, le mauvais. Allez, une petite roquette dans la gueule. Prends ça. Oh, j'aime bien sur ce jeu, il nous rappelle tout le temps qu'on a pris la tête. Sympa. Comme si on pouvait pas lire qu'en bas à gauche que c'est écrit 1 sur 8. Ou comme si qu'on comprenait pas qu'on était premier sur 8. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, bam, une bombe antipersonnelle, enfin anti. On approche. Eh ben, papy, là, il m'a envoyé une bombe sur la gueule. J'apprécie pas tellement ça, tu sais. Je croyais qu'on était amis, mais bon, j'ai l'impression qu'on n'est plus tellement amis. Tiens, mange-toi ça, une roquette. Allez, paf. Allez, un petit coup de boost, là. Et
Et hop, sécurité, sécurité. Hop, un petit... Ah non. Je peux me faire un petit demi-tour sur moi-même. C'est dommage. Si je tenais la manette, c'est mieux. Ah, je me suis déconcentré. Là. Faut que je me remette dans la course. Hop, petite bombe derrière. L'équivalent des bananes chez Mario. Hop, une fausse caisse, caisse mystère. J'espère que quelqu'un va se la prendre. Ça me ferait plaisir pour lui. Bon, on est toujours premier au deuxième tour. Tranquille, quoi, une balade touristique et tout. Sympathique. Papy nous, le papy nous est toujours pas venu nous réembêter, enfin, nous doubler. C'est trop tranquille, moi. Ça me pré... Quand il n'y a personne comme ça qui vient m'attaquer, c'est toujours louche, je me dis, il va se passer un truc là, forcément. C'est trop louche. J'ai voulu partir dans la route à gauche, mais dernièrement, je me suis dit, en fait, what the fuck. Je me suis mangé un rocher. Non! Non! J'ai cru que quelqu'un allait me gruger là. Ça a failli. Ça a été chaud tout ça parce que je me suis pris un rocher dans la face. Et ma voiture s'est retournée, on ne sait pas comment. Le rocher, je pense. Allez, boum! Et vous avez vu quand. Quand mon personnage récupère une caisse, une fausse caisse là, vous avez vu ce petit rire de démoniaque qu'il a? C'est ce petit rire démoniaque là, c'est assez flippant son rire. Moi personnellement, si j'avais un rire comme ça, ça me ferait un petit peu peur. Ouais, bon choix. Oh bah, je crois même qu'on va finir premier sur cette course là aussi. Et oui, première place. Ça n'a pas été trop compliqué. Dès que j'ai pu prendre la tête, ça a été bon. Donc, troisième course maintenant. Troisième course qui est le circuit du désert. Ah ouais, celui-là est assez... Faut pas aller trop vite, je crois. Si je me rappelle bien, c'est pas... Un circuit, faut accélérer trop. Ouais, c'est bien celui-là. Faut souvent freiner en frein à main. Allez, bon. Ça me gêne pas. Et surtout. Des pièces. Et surtout. Prendre des petits virages. Hop là, ça passe. Ah, je suis deuxième. Ah, ouais, maintenant je suis premier. Toujours le papy qui est en tête avec moi. Ah, une caisse de voiture. Ça sera pour tout à l'heure. J'essaierai de la choper. Mon premier tour s'est passé sans trop d'encombre. Hop, les pneus, ça devrait bien se passer pour la suite. Donc pendant que je joue, je vais vous raconter un truc qui est assez drôle. Enfin, c'est drôle. J'ai trouvé ça con. En fait, vous le savez peut-être pas, mais quand j'enregistre mes épisodes, j'en enregistre deux en même temps pour éviter d'enregistrer 140 fois. Donc j'enregistre dans le même temps. Donc les deux épisodes sont sur la même vidéo. Et là la connerie que j'ai faite, c'est que quand j'ai monté la première vidéo, et ben ma vidéo où il y avait deux épisodes dessus, en fait j'ai supprimé. Donc je suis obligé de la retourner. Quand j'ai vu ça, ça m'a bien fait chier. Hein. Je peux vous l'assurer que je me suis dit, oh non le con, il a pas supprimé deux vidéos. Et si j'avais supprimé deux vidéos? C'est-à-dire que c'est comme si j'en avais enregistré qu'une sur deux alors que j'avais enregistré les deux. Hop, j'ai eu la caisse. Donc ouais, ça m'a fait chier quand j'ai vu ça de voir que... Qu'en fait, j'avais supprimé ma vidéo avec les deux. Bon, ma première place quoi. On finit premier à ce championnat. C'est pas mal les amis, on va se dire que... J'ai mon casque qui se casse la gueule. Excusez-moi. Donc on va se dire que c'est plutôt pas mal pour ça. Donc on s'envoie tout de suite. Ah bordel, saleté de casque. On s'envoie tout de suite l'autre championnat. Dans la foulée là, pendant qu'on est parti pour être premier, on continue tout de suite. Donc championnat s'il te plaît, sans CV. Grand prix sans CV, voilà. Parfait, on va choisir quoi comme caisse? La rouge, j'aime pas mal.
J'aime bien la rouge, elle a des bonnes accélérations et tout, parce que je vais pas prendre le. Ouais, j'aurais pu prendre un camion pour le fun, mais bon, non. Donc le Grand Prix sans CV qui est le dernier Grand Prix des 4 Grands Prix du sans CV. Donc à la prochaine vidéo, on passera sur le 200. On montera d'un niveau, d'un cran. On passera chez les professionnels. Bon, on était plutôt chez les amateurs là. Chez les semi-professionnels, ouais. On passera chez les semi-professionnels que là on était plutôt dans la catégorie amateurisme débutant. C'est comme ça qu'on dit. Allez, on va passer par le petit parc là. Allez, une petite roquette. Hop là, vous dégagez vous là. La priorité à droite, vous la connaissez pas? Oh, c'est pas possible ça. Si j'allais là, c'était mieux. Et boum! Troisième, troisième. Et c'est un petit coup. Allez, prends-toi cette roquette dans la. Ah non, il l'a même pas pris pour lui. Il l'a laissé passer, il s'est dit oh non, ça sera pour celui devant. Pas pour moi. Allez, mec. Oh non! En fait, je les ai envoyés les deux roquettes, mais vu que l'autre était à côté de moi, je me suis pris dans la gueule en même temps que lui. Oh le fail! Ouais, bon, on est toujours troisième. Et il reste encore 3 tours. Ah oui, c'est sur ce Grand Prix-là que les tours sont par 5. Boum, mange-toi sans la face. Bon, je repasse toujours par là. Sympathique. Ah mince. Hop, nuage de poussière. Après je vais passer par là. Hop, premier. Ah il m'a passé devant. Il avait sûrement plus de vitesse. Ah j'ai été gelé. Hop là je suis plus gelé. Hack. Encore? Et bon Dieu c'est qui prend tous les gelés du monde là? Hop une fausse caisse avec son démoniaque. On va passer par où? Oh boum. Accélération boost. Et tac. Dernier tour. Je viens de me prendre le poteau de la ligne d'arrivée. Hop là, faut vraiment que je regarde mon écran aujourd'hui, parce que j'ai tendance à regarder mon écran d'ordi alors qu'il ne s'y passe strictement rien. Qui c'est qui est devant? Ah ouais, c'est le dernier qui est devant. J'ai rattrapé le dernier, quoi. Le mec il est trop lent, moi je suis trop rapide au choix, mais j'ai rattrapé le dernier. En fait ça sert à rien de faire ça, parce que oh non, je défavorise des derniers en leur envoyant des coups de poussin dans la gueule. Alors c'est bien, personne n'a vu que je suis tombé dans le ravin comme un gros boulet. Mais j'ai quand même fini premier, c'est le principal. Allez, course suivante. Route de l'or, celle qu'on a faite tout à l'heure. Allez! Il y a une tête de souris qui est devant moi. Parce qu'il a vraiment une tête de souris. Et boum, allez, on rattrape peut-être de souris là. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oh non. Ah d'accord, le vent qui était derrière elle, en fait. Non, c'est pas qu'elle était en train de péter. C'est juste qu'en fait, elle préparait son nuage de poussière pour me l'envoyer dans la tronche. Ah ouais. Allez, pousse-toi, toi, avance donc.
Ah, en fait, on peut le garder derrière soi et hop, quand on a envie, l'envoyer. Comme un peu dans Mario, en fait. Ok. Putain, non! Maintenant, je le sais au moins. Je vais me faire avoir comme un débutant. C'est là qu'on peut tourner. Je prends le tunnel. Le tunnel. Qui longe la route. Hop là. Roquette. Je sais pas où elle va aller par contre. Hop, caisse de voiture. Ouah, j'ai gagné une nouvelle voiture. L'Inception. Inception. Allez, viens envoyer son truc. Bam, prends-toi ça dans la gueule. On sent que là, la bataille est assez... on est acharné, quoi. On s'en veut, on s'en veut. C'est celui qui finira premier, là, il n'y a plus aucun cadeau de faire. C'est... on était amis avant, plus maintenant. Donc il reste 3 tours. Je vais repasser par à côté parce que sincèrement c'est pas désagréable de passer à côté. Ça nous évite tout. Hop là, ces bouchons de... C'est les bouchons d'à côté. Allez, roquette. Et juste à lui. Non, non. Je crois que j'allais dégager maintenant, en fait. Et voilà, je me suis pris le mur. Comme un gros kéké. Allez, roquette pour toi. Je suis premier. Il y a une concentration là, ici. Waouh, c'est assez puissant. Donc vu que la course est un peu longue et monotone, on pourrait parler d'autre chose, je sais pas. Futur projet peut-être. Donc futur projet. Donc j'ai vu qu'il y avait DayZ là, le jeu sur les zombies qui est en version bêta sur Steam. J'aimerais bien faire un petit test ou un petit playthrough. Mais je sais pas encore tellement parce que j'ai lu le dernier Canard PC, là ils disent quand même qu'il y a beaucoup de points qui restent à être corrigés, alors je sais pas trop si je teste tout de suite ou j'attends un petit peu. Mais bon, j'ai tellement envie de l'essayer que je me dis est-ce que j'ai réussi à me retenir longtemps avant de l'essayer. C'est pas sûr, bref, vous serez ça dans les prochaines semaines si... Si le DayZ sera testé en walkthrough, en playthrough, en let's play. Après peut-être pas. Après comme autre projet, excusez-moi pour ce coup, nul. J'ai le dernier Batman là. Je sais plus comment il s'appelle, je viens d'oublier son nom. J'aimerais bien aussi y jouer, mais j'ai pas encore commencé. Mais peut-être que ça va venir, qui sait. Ça m'empêchera peut-être de jouer à DayZ. Voilà, c'est à peu près tout. Les mini-jeux Minecraft vont continuer. Trial Evolution, il reste encore... je fais encore 2 épisodes, puis on va s'arrêter là. Et Joy Turbo... 2, 4, 5 avec celui-là, je pense, l'épisode. Ouais, ça va être une petite série, on va faire tous les championnats du début jusqu'à la fin. Petite série sympa quoi, sauf si c'est vraiment trop lassant à force, ça revient toujours en même course. Je changerai peut-être parce que sinon ça aide d'être chiant, mais d'une force assez assez puissante. Bon bah voilà, j'ai fini premier, c'est plutôt pas mal, j'en attendais pas autant. Donc maintenant dernière course là, tout va jouer sur celle là pour voir si on gagne ou pas
et j'espère qu'on va gagner. Mon casque se barre toujours en couille. Canyon tortueux avec des éoliennes à 100, torcher le cul avec. C'est pas glamour du tout ce que je viens de dire. Il y a des virages ici, hein. Nom de nom. Nom de nom de nom de nom. Non, non, non. Hop, hop, hop. Camionnette qui m'est passée devant. Toi aussi. Tiens. Allez, dégage, toi. Oh là là, les pales d'éoliennes passent tellement près de nous qu'on saute que on pourrait se les prendre dans la gueule. Ah oui, c'est ce circuit là. Ah ouais, non, je l'aime pas du tout. Allez, je suis passé premier. Maintenant, faut pas que je me loupe pendant 5 tours. Oh non. Alors je vous dis, c'est pas du tout gagné. Virage serré, très serré, mais ça passe quand même. Il est toujours trop long ce virage. Sur ce saut là, je prends tout, j'ai toujours trop de vitesse en arrivant, donc ça fait merde alors. Ça fait que je saute toujours trop loin. Putain, il m'a dépassé. Con. Non, je te sens la face. Allez, boum. Le mec il s'énerve trop. Les protections. Non, non, oh. Commencer quand même la dernière fois, mais bon, je suis toujours premier. C'est le principal. Et là, il reste encore deux tours là. Oh là. Connerie de débutant, ça. Tu bondes dans un mur, puis après, tu peux plus avancer. Truc de débutant, mais de base, quoi. Et voilà, j'ai encore trop au bout. Petit compte d'accélération. Dernier tour. Le dernier tour du suspense de la mort qui tue tout. Oh fuck. Je me suis pris le... la grenade explosive là que je pose par terre, la bleue. D'ailleurs j'ai été bloqué là-bas, je l'avais reposé après. Et là qu'est-ce que je fais? Je me la prends pleine face, non mais sans déconner. Le boulet, mais le boulet. Allez, triple salto là. Hop là. Trop loin, trop loin, trop loin. Boost. Et voilà, premier. Première place. Mais qu'est-ce qu'il fout, les roule mal lui en plus après. Première place. Donc je voulais tout de suite aller voir un truc pendant que j'y suis. On va juste voir un truc pour débloquer la nouvelle voiture. Donc je crois que c'est celle-là. 80 000. Ouais, on l'achète. Et voilà, on l'a acheté. On a acheté une nouvelle voiture pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois on se retrouvera pour le 200 CV pour se faire la tournée turbo et l'escapade hors piste.
Allez les amis, salut, à la prochaine pour l'épisode 2 ou sur Trial Evolution ou sur une autre série. Salut à tous, bonne ce que vous voulez. Salut à tous.